Le Congo doit changer parce que vous avez un beau pays, un pays très puissant, un pays qui peut jouer un rôle énorme au sein de l'Afrique et du monde. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. Oui, ce Congo-là est possible et je vous promets de vous le donner. Pour nourrir ses effectifs, la coalition RDF M23 recrute par tous les moyens. En plus de la ruse, il y a des jeunes qui témoignent avoir été pris par force. Avec leur dotation du M23, ils sont présentés ici par le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, ce 3 avril 2023, à Goma. Et aujourd'hui, nous avons tenu à vous présenter des jeunes qui ont été recrutés, n'est-ce pas, par le M23 et leurs parrains de l'armée rwandaise. Ils les ont formés à Tianzhou, finalement. C'est des jeunes gens que vous voyez ici, vous voyez la tenue, qu'elle est bel et bien, la tenue de M23, se sont décidés de revenir à la raison. Eh bien, pourquoi? Ils vont vous le dire. Eh bien, mais du moins, ils sont passés aux aveux pour dire qu'au regard de tout ce qu'ils ont eu là-bas comme traitement, mais aussi au regard des promesses fallacieuses, ils se sont rendus compte que le M23 est un mouvement sans lendemain et qu'il était encore trop tôt pour eux de revenir à la raison. Donc, c'est comme des enfants prodigues. Jérémy Luanda Kamala et Emmanuel Katirissa, jeunes de Masisi, recrutés à Rusayo, se sont soustraits du mouvement à partir de Kichanga où ils ont été déployés selon leur propre témoignage. M23 na tokamata ina tubeba. Kumbenaye ni politike yake tu iko sali kwa chakula makuta yete na kufika kula katutoroka katuacha kula wakati yenyewe tumeangalia na sie vinatushinda na sie tumetoroka ni tumeshafika Kichanga njoo kwa sasa kama tuko ku gouvernement njoo tunataka gouvernement ayo peke njoo yaamue kama ni kutuua kama watatufanyizia wewe wanataka lakini ni hatuko tena kuvale baadui wewe walikuwa walishaka tubeba. Face à cette situation, le porte-parole de l'armée au Nord Kivu prévient le jeune quant à la malice de l'ennemi. La jeunesse, surtout la jeunesse de notre province, doit être très prudente de manière à ne pas donner de l'espace à l'ennemi. S'ils veulent faire l'armée, qu'il vienne s'enrôler au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Cet échantillon de jeunes qui se sont soustraits du M23 est à la disposition de l'armée loyaliste. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. Aujourd'hui nous sommes le mardi 4 avril 2023. Bonjour monsieur Placide. Oui, bonjour messieurs les journalistes. Bonjour aussi à nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent dans tous les coins du monde entier. Militants de la Lucha. Effectivement, nous le sommes. Oui, nous sommes dans la semaine sainte. Hein. Oui, pour les chrétiens catholiques, bien sûr, parce que... Et les imams aussi sont dans le mois de Ramadan. Voilà. La semaine sainte concerne les chrétiens catholiques. Oui. Et tout ce qui cadre avec les Ramadans concerne aussi les musulmans. Et vous, vous êtes... Bon, moi, je suis citoyen congolais. Oui, et la RDC, c'est un pays laïque, donc... Heureusement, pour notre prophète, on a décrété quand même, on a reconnu les combats de Simon Kimbangu. C'est là où on commence. En fait, une nouvelle date fériée à la République démocratique du Congo, ça sera le 6 avril. Oui, voilà. En tout cas, une journée dédiée à Simon Kimbangu et une journée de. Je crois, quoi pour l'Afrique hein, bah, donc, les combats voilà. Pan-africains. Alors, voilà. Alors, comment vous analysez cela, monsieur Placide? En fait, vous savez, depuis un moment, nous sommes confrontés à une colonisation. Mm-hmm.
L'Occident, ou soit même le Moyen-Orient, nous avait déjà mis dans une certaine colonisation, je dirais spirituelle. Et maintenant, petit à petit, nous sommes en train de comprendre que notre pays est en train de s'orienter vers une indépendance spirituelle. Et en reconnaissant d'ailleurs les combats qu'a menés monsieur le vaillant Simon Kimbangu, d'ailleurs, les gens de son coin l'appellent Mfumu Kimbangu pour dire qu'il est quand même un roi, en fait, partant de la lutte qu'il a menée, de la lutte spirituelle, pour essayer un peu de pouvoir conscientiser le peuple congolais à revenir surtout sur les efforts ancestraux. Parce qu'en soi, vous savez, il y a des combats qui sont du point de vue physique, hein, mais spirituellement, ça se gagne aussi. Et c'est à ce stade que les vaillants Simon Kimbangu a pu lutter. Et d'ailleurs, même, il y a certaines de ces prophéties qui sont en train de se vivre actuellement. Et c'est par là où nous disons, nous sommes enjaillés de cette nouvelle. Pour nous, malgré différentes croyances, mais nous sommes Congolais et nous devons valoriser les nôtres. Et il y a quelques années, le président Tshisekedi a promis cela, en tout cas une promesse qui se concrétise, il avait promis. Hein. Effectivement, en fait, il est digne fils du pays et Kimbangu, il fit quelqu'un qui a combattu pour l'indépendance de la RDC du point de vue spirituel, parce que nous avons, pour le moment, nous avons différents combats, et ces combats sont subdivisés, selon moi, à trois. Notamment les combats spirituels, les combats économiques, mais aussi les combats politiques. C'est dans tous ces combats que nous devons nous déchaîner, nous devons nous libérer afin que nous puissions aspirer à un développement, à un élan des progrès pour la République démocratique du Congo et pourquoi pas pour toute l'Afrique. Donc si toute la population africaine parvenait à comprendre que nous sommes engouffrés dans tous ces types de luttes, normalement on pouvait déjà s'en sortir. Mais un voyage de 1000 pas commence toujours par un pas. Donc nous sommes dans une bonne voie et nous félicitons d'ailleurs les chefs de l'État pour avoir reconnu les combats qu'a mené les Mfumu Kimbangu. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Placide. Alors, on parle de sécurité. Hier, on a regardé un reportage réalisé par nos collègues, nos confrères de la cellule des communications du gouverneur. Dans ces reportages, on voit des jeunes congolais recrutés par force par les M23. En tout cas, ces jeunes ont fait défection. Ils ont décidé de quitter la rébellion et se rendre aux forces armées de la République démocratique du Congo. Comment vous trouvez cette façon? En fait, d'abord, c'est un acte de patriotisme. Personne n'ignore la manière de procéder de l'armée rwandaise qui travaille sous couvert du M23. Une fois arrivé dans nos territoires, dans notre province du Nord Kivu, et lorsque nos vaillants militaires les infligent des lourdes pertes en vies humaines, vous allez voir ces gens faire maintenant recours à un recrutement forcé de nos jeunes Congolais pour qu'ils aillent adhérer dans leur philosophie. Donc on les contraint, on les impose au fait de faire partie de leur groupe rebelle. Et c'est pourquoi vous allez voir la plupart des jeunes Congolais, ok, et ils y vont avec, donc, sans leur propre gré. Et c'est pourquoi même nous sommes en train de dénoncer cette manière de faire, la prise en otage de nos compatriotes par l'armée rwandaise qui travaille en couvert du M23. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. Et c'est un acte de bravoure que ces jeunes ont manifesté. Et bien que nous savons aussi la situation de la jeunesse en République démocratique du Congo, vraiment, n'est pas quelque chose à absorber, en fait. Parce que, vous savez, il y a le chômage déguisé, vraiment, qui guette le monde de la jeunesse, à tel point que les jeunes ne savent plus à quel sens se vouer. Et c'est par là, vous allez voir, il suffisait juste qu'il y ait un mouvement, n'importe lequel,
qu'ils les proposent quelques sommes dérisoires. Hein, pour eux, maintenant, ça dépend maintenant de la grandeur du degré de patriotisme, en fait. C'est là où nous sommes en train de dire à nos autorités de voir comment encadrer la jeunesse d'une manière décente, parce que c'est cette jeunesse là-bas qui doit quand même voir comment protéger la République démocratique du Congo en soi. Si la jeunesse n'est pas bien encadrée, vous restez sans ignorer que ça serait une bombe à retardement pour notre propre pays. Hein? Une jeunesse intellectuelle, une jeunesse dynamique, une jeunesse motivée, lorsqu'elle n'est pas encadrée d'office, ça sera un sérieux problème pour la nation. Et c'est par là que vous allez voir facilement des mouvements rebelles c'est permettre de les proposer n'importe quoi, n'importe quel service, et sans regarder même les conséquences qui peuvent en découler, les jeunes se lancent, ok, sans autre forme de discernement. Donc, c'est ce que nous pouvons dire quant à ça. Notre gouvernement doit voir comment améliorer les conditions de vie de la jeunesse pour quand même espérer à un élan patriotique considérable que nous sommes en train toujours de prôner. D'accord. Le gouvernement ne négocierait pas avec les M23, a martelé le ministre Patrick Muyaya hier lors d'un briefing avec les journalistes à Kinshasa. Ça, c'est même les souhaits depuis d'un Congolais. Mm-hmm. Négocier avec la rébellion du M23, pour nous, ce serait une forme d'humiliation. Malgré que, pour le moment, okay, nous devons comprendre qu'il y a quand même un assaut, un élan lié, par exemple, aux efforts que le gouvernement est en train d'aménager pour équiper nos vaillants militaires. Et nous savons très bien que depuis un moment, depuis, je dirais, 1994, l'agression rwandaise ne cesse d'endeuiller nos familles en République démocratique du Congo. Et pour ça, négocier encore avec les pseudo M23, ce serait, je dirais, humilier la République démocratique du Congo, mais aussi ce serait une irréconnaissance par rapport à tous nos compatriotes qui sont déjà décédés dans cette bavure d'agression rwandaise, nous imposée bien sûr par l'Occident, bien sûr, ça on ne peut pas les voiler. Donc, c'est une position qui doit être vraiment bien garantie, mais aussi ça doit être concrétisé par les actions concrètes sur terrain. Donc, ne pas négocier verbalement, c'est bien. Mais aussi, ça doit se rallier alors avec des actions sur terrain qui vont montrer effectivement à la population que notre gouvernement maintient sa position de ne pas négocier, et le gouvernement est en train de fournir tous les efforts possibles afin de mettre en déroute la rébellion rwandaise jusqu'à leur dernier retranchement. Donc c'est ce dont nous pouvons souhaiter comme citoyens congolais. Et déjà, cet aveu, c'est quelque chose que nous saluons, et maintenant nous voulons voir du concret, et nous voulons voir effectivement l'armée rwandaise être poussée en dehors du territoire national. Alors, messieurs Placide, parce que nous tendons vers la fin de cet entretien, mais revenons toujours parce que la question en tout cas de l'arrivée des Ougandais ou de la force régionale, de toutes ces troupes-là, continue à susciter des réactions. Il y a Muyaya qui a précisé la force régionale était une force d'appui aux forces armées de la RDC. Et toutes ces troupes qui sont actuellement sur le sol congolais, ils sont sur invitation du gouvernement dans l'objectif de travailler pour le retour de la paix. Cela ne doit donc pas être interpellé comme une quelconque forme de balkanisation, d'autant plus que l'objectif rechercher et de parvenir à la fin des hostilités. Le schéma convenu est que le M23 qui a commencé progressivement à se retirer puisse laisser la place à la force régionale, a insisté le ministre Muyaya. En fait, ce qui est vrai,
Nous ne serons jamais d'accord de voir que notre gouvernement est en train de chercher à sous-traiter notre sécurité. Et en ce terme, nous disons, lorsque le gouvernement ne parvient pas à parler un même langage avec la volonté de la population, ça sera toujours compliqué et la tâche lui sera toujours difficile. La population, quant à elle, ne veut pas voir les armées étrangères sur son sol. Parce que en aucun jour, une armée étrangère ne viendra pour défendre l'intégrité du territoire qui n'est pas les siens. Donc, c'est juste, c'est une réalité. Peu importe le degré de la confiance, peu importe le degré lié, par exemple, aux relations bilatérales entre les différentes nations, ben, nous devons savoir qu'il faudrait beaucoup plus mettre l'accent sur notre propre armée. Notre propre armée mérite un traitement digne et décent. Et il suffisait juste un encadrement un peu amélioré et vous allez voir que ces histoires ici des rébellions de M23 et consorts ne vont plus être d'actualité. Et maintenant, nous reconnaissons la puissance des FAP de nos vaillants militaires et nous exigeons toujours à notre gouvernement de ne pas chercher à trouver la solution sur le dos de la cuillère. Donc, c'est juste ça. Et au-delà de ça, personne n'ignore l'influence de l'Ouganda dans la chute de Bunagana. Ça, on ne peut pas quand même ignorer et nous n'allons jamais consentir ça. L'Ouganda est un couteau à double tranchant parce que nous allons voir un moment lorsque nos voyants faisaient déjà un bloc, un mur contre l'armée rwandaise qui travaille sous couverture M23. Mais vous avez vu comment est-ce que l'Ouganda, l'armée ougandaise, nous a déjoué jusqu'à ouvrir une brèche d'entrée à la rébellion du M23 vers Bunagana. Donc, ça c'est gravé dans nos mémoires et nous n'oublierons jamais ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il y a le général Peter Tirimwami qui va comparaître toujours dans ces dossiers. C'est depuis le vendredi, bien sûr. Et aujourd'hui encore, c'est la troisième audience, vous comprenez. Donc, c'est ça. Ça, on ne peut pas quand même ignorer. Et pour ça, nous dire que l'Ouganda viendra nous aider pour sécuriser notre pays, pour apporter la paix, c'est vraiment c'est utopique. Et nous ne cesserons jamais d'exiger à notre gouvernement notre retrait dans cet fameux État d'Afrique de l'Est. Donc, c'est juste ce que nous pouvons recommander. En aucun jour, une armée étrangère ne viendra pour mourir pour la population congolaise. Jamais, jamais. Il suffisait juste de concentrer le maximum d'efforts à nos voyants militaires et nous sommes certains que ces gens seront à la hauteur de mettre en déroute l'armée rwandaise qui est en train de nous agresser jusqu'à présent. Mais aussi, il ne faudrait pas nier que c'est une forme de balkanisation embellie, en fait. C'est comme cela que nous sommes en train de qualifier ça, parce que c'est inconcevable lorsque une armée étrangère pénètre sur notre sol congolais et exiger à ce que nos voyants militaires ne puissent pas accéder à notre sol. Donc, nous sommes en train de perdre petit à petit notre souveraineté. Pourtant, il y a le feu maréchal Mobutu qui avait dit « Le Congo doit rester un et indivisible. » Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse céder même un centimètre de notre sol. Donc, pour nous, même si le gouvernement est en train de chercher à convaincre ou soit à couvrir l'entrée des troupes de l'EAC sur notre territoire, mais nous, ça ne peut pas changer notre aperçu par rapport à notre compréhension. Vraiment, c'est une nouvelle forme de balkanisation et lorsqu'on interdit à notre armée, l'armée régalienne, l'armée reconnue par notre population congolaise à piétiner, à fouler les pieds sur notre propre sol, là, vraiment, c'est une balkanisation. Oui, on ne peut pas nier ça. On finit par cette actualité. Le député national Juvenal Mounoubou a adressé, en tout cas hier lundi,
une question orale avec débat au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Jean-Pierre Bemba sur la présence des troupes ougandaises au Nord Kivu dans le cadre de la force régionale. C'est Eli de Walikale cherche en tout cas à comprendre comment le gouvernement a accepté et cautionné l'entrée des troupes ougandaises sur son territoire alors que l'Ouganda est cité par les rapports d'experts des Nations Unies comme État et a servi des bases arrières à la rébellion du M23 qui occupe des vastes zones de Rutshuru-Nyiragongo et Masisi. Nos revendications ne devraient plus aller dans le sens de chercher à comprendre pourquoi. Parce que si vous voulez chercher à comprendre, ce sont des politiciens, ils vont toujours trouver des mots pour nous convaincre. Pour le moment, il est question d'exiger à notre gouvernement de renvoyer toutes ces troupes étrangères dans leurs pays respectifs et concentrer tous les efforts sur nos voyants militaires. Et au-delà de ça, nous retirer de cette fameuse communauté des États d'Afrique de l'Est, parce que jusqu'à présent, nous ne sentons pas vraiment les pourquoi ou soit les intérêts de la population congolaise dans cette communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous savez, normalement, si vraiment on devait déjà être reconnu comme État membre de cette fameuse communauté, on devrait jouir de certains avantages. Mais jusqu'à présent, pour voyager dans différents pays faisant partie de cette communauté des États d'Afrique de l'Est, vous allez voir la population congolaise continue toujours à payer, continue à payer des frais liés à la DGM et consorts, liés toujours à ces mouvements entre différents pays. Donc, comprenez, jusque-là, nous ne sentons pas les avantages liés à notre appartenance dans cette communauté des États d'Afrique de l'Est. C'est pourquoi il est grand temps pour nous de pouvoir nous retirer. Mais aussi, au-delà de ça, vous devez comprendre que lorsqu'on entre dans une communauté quelconque, on doit être aussi à mesure de nous imposer du point de vue économique. Mais aujourd'hui, notre politique, jusque-là, elle est encore faible, notre politique économique. Donc, nous n'avons rien à fournir comme échange dans ces autres pays. Et c'est nous qui serons toujours en train de subir leurs impositions. Donc, vraiment, nous ne sentons pas les avantages, les intérêts que nous sommes en train de, que nous devons jouir de notre appartenance dans cette communauté. Donc, l'élu de Walikale, vraiment, nous l'encourageons d'abord de cette prise de conscience, de cet élan de pouvoir connaître le pourquoi, mais vraiment, les débats ne devaient plus aller dans ce sens. Nous devons beaucoup plus nous solidariser pour exiger à notre gouvernement les retraits dans cette fameuse communauté des États d'Afrique de l'Est. D'accord. Alors, un message aux forces armées de la RDC, on se sépare par là. En fait, nous encourageons toujours nos voyants militaires qui sont en train de combattre jour et nuit pour défendre l'intégrité territoriale. Et pour nous, ce sont nos zéros vivants, parce que ce sont eux, d'ailleurs, si nous sommes en train de circuler encore dans ces pays, bien sûr, avec la complicité de la population, c'est grâce à leur bravoure. Donc, nous ne cesserons jamais de soutenir notre armée et nous serons toujours là à lui donner des renseignements en tant que population, pourvu qu'ensemble, nous puissions vaincre cette agression nous imposée par les Rwandais. Merci beaucoup, Placide, d'avoir été là et de nous avoir accordé cet entretien. Nous vous remercions aussi, chers journalistes. Merci. On s'écoute par votre numéro de téléphone. +243 81 44 31 276. Merci, mesdames et messieurs, de nous avoir regardé. Prochain rendez-vous demain. Vous disons bye-bye. Bye.